Danilo Manara, c'est un dessinateur italien qui a commencé sa carrière à la fin des années 1960 en Italie, qui est encore actif aujourd'hui, donc en 2018, puisqu'il a publié le deuxième volume de sa biographie du Caravage à la fin de l'année donc 2018. Et donc l'objet de cette exposition, c'est de présenter la première grande rétrospective, je crois, qui lui est consacrée dans le monde, donc de ses 50 ans de carrière, depuis ses débuts en 1969, dans la presse, on dira, italienne, ou dans la bande dessinée italienne populaire, jusqu'à donc aujourd'hui. Manara est surtout très connu, je dirais, des amateurs de bande dessinée et au-delà, par ses bandes dessinées érotiques, ses grands succès érotiques des années 1980, que sont Le Déclic et Le Parfum de l'Invisible. Ce sont finalement ces bandes dessinées-là qui l'ont fait connaître, qui ont assuré son succès, qui ont assuré sa fortune aussi. Mais, comme c'est souvent le cas avec ces succès-là, qui l'ont un petit peu emprisonné dans une image, donc, alors que Manara, c'est une production donc, de 50 ans, très diverse, extrêmement diversifiée. Et le but de cette exposition, c'était de montrer tout le talent de Manara au-delà de ses bandes dessinées érotiques et notamment de l'associer aux grandes collaborations qui ont été les siennes dans les années 1980, c'est-à-dire en même temps que ses bandes dessinées érotiques, avec Hugo Pratt d'un côté et Federico Fellini de l'autre. Manara est un dessinateur sensuel. Je dirais que là, la première caractéristique qui vient en tête, c'est la sensualité, l'extrême sensualité de son trait. Alors, évidemment, à sensualité, on associe toujours trouble, érotisme, mais ça n'est pas que cela. La sensualité, c'est aussi une manière de concevoir le monde, parce que Manara, c'est quelqu'un qui répète régulièrement que ce qu'il fait, c'est retranscrire une réalité, mais une sorte de réalité pourrait-on dire presque surréel ou irréel. C'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas de retranscrire la réalité sans doute telle qu'elle est, mais il va la retranscrire telle qu'il la conçoit ou telle qu'il l'imagine. On est toujours chez Manara entre la réalité et le rêve. Donc Manara, c'est un trait sensuel qui accompagne la transformation de la réalité telle qu'il la conçoit lui. Et c'est pour cette raison aussi qu'il a travaillé avec Federico Fellini, qu'il a toujours été fasciné par les films de Federico Fellini, parce que Fellini, c'est une forme de surréalité qu'il met en scène, donc où il transcrit la réalité telle qu'il la conçoit, c'est-à-dire dans le monde du rêve, quasiment. Nous sommes allés chez Manara, donc, qui vit à Vérone. Il a notamment une grande maison de campagne sur les collines de Valpolicella, où on fait du très bon vin. Et il a son atelier, et donc nous sommes allés un petit peu fouiller ses archives. Et on a découvert des œuvres dont Manara lui-même ignorait qu'elles se trouvaient encore là. Par exemple, toutes ses planches de l'histoire de France en bande dessinée. Il a collaboré à cette grande collection à la fin des années 70 qui était l'histoire de France en bande dessinée, où on demandait à plusieurs dessinateurs de faire revivre les grands moments de l'histoire de France. Et Manara a fait notamment, a traité Napoléon, il a traité la Révolution française, il a traité la Commune. Et toutes ces planches originales de cette période étaient chez lui et il ne se souvenait pas qu'elles étaient là. Et ce qui est amusant, c'est que ça n'a pas forcément été très facile de regrouper toutes les planches parce qu'elles étaient dispersées un peu partout chez différents collectionneurs ou différentes galeries. Et donc ça a été un long travail véritablement de pêche à la ligne, presque, pourrait-on dire. Et donc on a réussi à remettre la main sur des véritables pépites. Donc ça a été un vrai travail véritablement presque d'archéologue de remettre la main sur ces planches. Et quand on a fait visiter l'exposition à Manara, Manara lui-même, en regardant certaines planches, notamment des débuts, a déclaré que ça faisait 50 ans qu'il n'avait pas vu les planches en question. Donc pour lui, c'était une redécouverte de son travail. Et je crois qu'il en était extrêmement content. Cette exposition, elle a pour but de remettre Manara à la place qui est la sienne, c'est-à-dire au panthéon des très grands dessinateurs de bandes dessinées. Pendant longtemps, il a été un petit peu, je dirais pas méprisé, le terme est trop fort, mais il a été un petit peu dédaigné ou jugé un petit peu avec condescendance, même je dirais par les autres dessinateurs. Et je crois que cette exposition-là, j'ai pu croiser quelques dessinateurs qui l'ont visité, et je crois que cette exposition-là, elle est autant destinée au grand public, pourrait-on dire, qu'aux artistes de bande dessinée eux-mêmes, dont l'œil
évidemment plus avertis leur permettra de voir que Manara fait partie des très très grands de la profession et donc qu'il mérite, je crois maintenant, toute la considération qui lui est due.